Excellencies, ladies and gentlemen, it is my great pleasure and honour to introduce His Excellency President Nasingbe, the President of the Togolese Republic, whom I'm delighted is here with us this morning. He has been the President of Togo since 2005, and as you'll see, he has maintained his youthful looks despite the pressures of being a head of state. He has presided over an accelerating economic growth, averaging approximately 5% per annum. And as we've just heard, if he and his government can maintain that, it will be a significant achievement with the global headwinds. Togo is becoming an increasingly attractive destination for foreign direct investment, whether it be financial services, logistics, energy, education, health, agriculture, or extractives, all encapsulated in an ambitious national development plan. But Togo is already a key access point to a large West African market of approximately 300 million people. And when I was certainly dealing with the Togolese Republic as the UK minister, Togo stood out as an outward-looking country, an internationalist country, and a vision driven by the president himself. There is a real opportunity to deepen and develop economic, trade, and investment ties with the United Kingdom, and I know that the President is determined to achieve that. Mr. President, we're delighted to have you with us this morning. You're extremely welcome. It's wonderful to see you in the United Kingdom, and I hope you're going to be a regular visitor to the UK. There is a great interest in what you've got to tell us this morning. Your Excellency, ladies and gentlemen, the President of Togo. Thank you. Good morning. Monsieur le Président, merci d'être là avec nous. Nous avons de la traduction simultanée. Mon nom, c'est Carlos Lopez. Je suis professeur à l'Université de Cape Town, mais aussi membre du Conseil de Invest Africa. Et là, je suis aussi dans la qualité de conseiller pour le plan de développement du Togo. Très content et ravi d'avoir la présence du Président, à qui je vais poser un certain nombre de questions pour... Headsets? Headsets, please. For those who don't understand French. I'm sure at the end of the session you will be francophone. Donc, j'étais en train d'introduire la séance avec le président et dire combien on est ravi de l'avoir avec nous. Et donc, président, nous avons justement, avec l'introduction de Mark Simons, entendu quelques bonnes réflexions sur le Togo. Nous savons que le Togo a accéléré sa croissance. Nous savons aussi que le Togo s'est positionné dans la région ouest-africaine comme un pays qui ferait vraiment des efforts considérables pour changer non seulement la situation économique du pays, mais aussi le positionnement de la région, puisque vous avez dans votre plan de développement, dans votre vision, un certain nombre de priorités qui sont très liées au contexte régional, comme par exemple le fait qu'il y a des investissements dans la logistique, dans le hub d'affaires, dans un certain nombre de domaines qui profitent l'ensemble de la sous-région. Alors, ma première question pour vous, c'est de savoir, à partir de cette conversation, on veut vraiment prendre un certain nombre de nouveautés que vous avez introduites dans votre vision et des informations qui vont pouvoir permettre à cette audience de connaître mieux votre pays. Et la première chose, c'est justement l'effort que vous avez fait, considérable pour les infrastructures, mais qui a aussi endetté un peu le pays. Comment vous expliquez cette priorité que vous avez donnée aux infrastructures et qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine en particulier? Merci. Merci, professeur Carlos, et merci pour cette invitation qui vous a adressée et merci surtout pour votre présence ici. Je suis sûr qu'avant cette session, très peu de personnes peut-être connaissaient le Togo, sinon de façon anecdotique. Donc c'est une opportunité pour moi de parler de mon pays et j'espère
d'attirer plus d'investisseurs et plus d'investissements au Togo. En effet, Carlos, nous avons, je pense que 2005, ça commence par la fin d'une histoire difficile, la fin d'une crise qui a plombé le pays, puisque nous avons pendant 15 ans perdu presque 15 points de taux de croissance sur 15 ans. Donc les infrastructures étaient délabrées. Nous avons mené un processus de réconciliation, stabilisé le pays. Mais la grande question, comme vous le savez tous dans nos pays, c'est l'économie. Comment faire démarrer l'économie alors que la confiance était réduite à cause de cette longue crise. Donc il fallait que l'État, je crois, fasse le premier effort. Donc la première tâche a consisté à être éligible à l'initiative PPTE pour avoir une réduction de la dette. Et malheureusement, ayant été en marge un peu de la communauté financière à cause des sanctions, cette initiative nous a permis de réduire le niveau d'endettement qui était élevé, plus de 100%, mais on l'a ramené seulement à 40%, 40-41%. Néanmoins, il a fallu investir parce que sans cela, rien n'était possible. Et l'investissement devait être productif. Donc nous avons naturellement choisi d'investir dans les infrastructures parce que ça correspondait un peu à la vocation de notre pays. Togo a toujours été un carrefour d'échange, un pays de transit. Mais quand vous avez un aéroport qui est en mauvais état, qui n'a pas bien été entretenu, quand vous avez un port qui est dans une situation un peu léthargique, donc vous ne pouvez pas. Et les routes étaient délabrées alors que nous dépendions beaucoup, parce que le port de Lomé a toujours été un port franc, donc à la disposition aussi des pays de l'Interland. Donc nous sommes dit que, un, si l'État ne faisait pas l'effort initial, on n'attirerait pas l'attention du secteur privé, on n'attirerait pas l'attention sur notre pays et on ne pouvait pas avancer. Donc c'est ce qui a fait que nous avons pris le risque d'investir dans le port grâce à nos amis du secteur privé, notamment l'entreprise MSC et Bolloré. Nous avons fait des routes parce qu'une fois qu'on a un port, il faut avoir la suite. Donc nous avons fait 1500 km de route à peu près. Nous avons également investi dans l'énergie et ça nous a permis d'avoir un taux de croissance d'à peu près 5%. L'endettement, naturellement, a, je ne dirais pas explosé, mais nous étions en 2016 à un niveau élevé de plus de 80%. Mais aujourd'hui, nous l'avons ramené à un niveau plus soutenable puisque nous sommes en dessous des 70%. Donc nous avons fait des réformes qu'il faut. Maintenant, nous comptons sur le partenariat avec le secteur privé pour avancer. Et les résultats sont là puisque maintenant, vous avez le port qui a le plus grand trafic dans toute la zone du Golfe de Guinée et Afrique occidentale. Oui. L'aéroport est un des plus modernes. Vous avez le couloir qui est considéré le plus efficace dans la région pour les pays de l'Interland. Donc l'infrastructure est en train d'être payée déjà avec des efforts considérables. Et en ce qui concerne justement la partie aérienne, ça a été reconnu, non seulement à cause de ce que vous avez fait, mais aussi la présence d'une compagnie panafricaine qui est A-Sky. On vous a confié au sein de l'Union africaine le rôle de champion pour la question de la politique de Open Skies, qui va permettre justement d'augmenter le trafic aérien entre pays africains avec la cinquième règle qui est libérée. Vous avez aussi été, pas désigné, mais disons de fait, le champion pour la sécurité maritime, puisque sans sécurité maritime, les ports ne peuvent pas vraiment être protégés en termes de capacité pour qu'on augmente le trafic. Donc, ces rôles montrent que vous avez beaucoup investi sur le régional. Alors, comment vous voyez la SLAE, comment vous voyez tout ce mouvement qui, en effet, étant encore davantage ce que vous avez déjà investi au sein du Togo? Mais sur ce sujet, vous savez que être de petite taille, ça a des avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients, notamment en Afrique. Généralement, quand on voit les investisseurs qui viennent vers l'Afrique, on regarde le Nigeria, on regarde le Ghana, on regarde le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vraiment le Togo, à cause de l'étroitesse de notre marché. Et donc, très tôt, nous avons commencé par la CEDEAO à être un avocat, faire toujours le plaidoyer de l'intégration régionale. Parce que nous savions que sans cela, nous ne pouvions pas nous en sortir. Ça a commencé par la CEDEAO et je veux dire, cet activisme nous a été, nous avons été récompensés de cet activisme
parce que nous abritons quand même plusieurs banques sous-régionales. Et ce mouvement initié par les banques sous-régionales a été poursuivi par les banques privées qui ont leur siège maintenant au Togo. Donc ça, c'est un des avantages que nous avons. Deuxièmement, comment, si nous n'avons pas d'intégration, si nous n'avons pas de libre circulation, comment investir au Togo et pouvoir toucher le marché du Nigeria, le marché du Ghana, le marché du Bénin? C'est impossible. Mais en même temps, nous savons que, en venant au Togo, grâce à la taille de notre pays, grâce à la proximité des dirigeants, nous nous efforçons, c'est beaucoup plus facile de se mouvoir à Lomé plutôt qu'à Lagos. Mes amis nigériens m'excuseront, mais c'est simplement une loi physique. Donc, cette proximité que nous avons avec les investisseurs nous donne un avantage et nous permet de régler le problème. C'est pour ça que continuellement, nous faisons le plaidoyer de l'intégration. Sinon, sans cela, les pays comme le Togo connaîtraient beaucoup de difficultés. Ces investissements que nous avons faits, l'aéroport, le port, sont surdimensionnés s'il ne s'agissait que de servir le petit marché togolais. Donc l'ASLEC, pour nous, c'est une opportunité supplémentaire de pouvoir avoir accès à d'autres marchés en comptant surtout sur le secteur privé. Ce n'est pas l'État qui va investir et exporter au Nigeria ou au Ghana, mais c'est surtout le secteur privé qui pourra trouver un environnement favorable ou bien qui pourra, s'il veut investir au Togo, savoir qu'il n'a pas de contraintes de marché parce que derrière le Togo, c'est un vaste marché, c'est la CEDEAO et demain l'ASLEC. Donc nous encourageons beaucoup, nous avons signé, nous avons ratifié également l'ASLEC et nous espérons que les obstacles inévitables seront levés par les chefs d'État africains. Voilà, donc parmi les opportunités qui étaient présentées tout à l'heure, c'est justement l'accélération de l'intégration régionale. Mais comment vous expliquez que, par exemple, une compagnie comme MSC choisit le Togo comme centre d'opération pour la région, de telle sorte que le port de Lomé, maintenant, est plus important que le port d'Apapa qui sert Lagos ou le port d'Abidjan et d'autres ports? Comment vous expliquez, par exemple, que les banques régionales choisissent Lomé comme siège? Il y en a plus que n'importe quelle autre ville en Afrique. Comment vous expliquez qu'une compagnie qui est créée pour servir la sous-région choisit Lomé comme A-Sky? Quel est l'attractif et comment on peut accélérer les éléments qui permettent que cette attraction continue et se traduise avec beaucoup plus d'investissement? Je pense qu'il y a deux ou trois raisons. La première raison, c'est la sécurité. Nous avons surtout beaucoup misé sur la sécurité. Et si vous allez à Lomé, généralement, les gens circulent paisiblement et en toute sécurité. Deuxièmement, c'est une tradition d'hospitalité. Lomé a toujours été, c'est petit, mais ça a toujours été un carrefour d'échange. Je parlais tout à l'heure du port franc, je peux parler de la réexportation. 40% de ce qui arrive des marchandises qui avaient à Lomé sont réexportées dans les autres pays. Troisièmement, je crois que c'est aussi une volonté. On a parlé tout à l'heure d'intégration, c'est que nous avons, je crois, avec ces premières banques qui sont installées dans le pays, nous savons être à l'écoute des entreprises qui veulent établir leur siège à Lomé. On sait les écouter sur le plan fiscal. Je pense que nos amis de Comanc ne nous démentiront pas. Il y a forcément des problèmes, mais l'administration et le politique savent s'adapter à leurs desiderata. Et je pense que la combinaison de ces trois facteurs-là, et puis bon, une fois que vous avez la BOAD, vous avez la BIDC, vous avez Comanc, les autres suivent le mouvement. Donc il y a un canevas aussi qui est là-bas au niveau de l'administration que nous mettons à la disposition des autres personnes qui peuvent suivre. Comment maintenant amplifier ce mouvement? Je pense qu'un des plus gros défis reste l'éducation. Je pense qu'un pays comme le Togo qui abrite autant d'institutions financières devrait avoir une business school de first class ou bien une école où on peut apprendre le métier des banques parce que nous avons toutes ces banques dans notre pays. Donc il y a cela. Et puis peut-être aussi un effort au niveau du code du travail, des lois du travail. Je le dis en pensant à mon ami d'Ecobank parce que je sais que c'est une de ses principales préoccupations. Donc ça va se faire assez rapidement. Voilà. Vous avez parlé d'éducation. Dans le domaine social, il y a eu un certain nombre de gains aussi depuis
la mise en place des nouvelles politiques, et notamment le PND envisage un paquet de mesures dans le domaine social qui sont assez intenses. Et le Togo a déjà l'avantage d'avoir, pour ceux qui ne savent pas, le taux de chômage le plus bas d'Afrique de l'Ouest et un des plus bas d'Afrique. Donc ça, c'est déjà un gain. Donc ça devait permettre une certaine paix sociale. Comme vous avez parlé de stabilité, je me permets de vous interroger sur la situation politique. Est-ce que vous pouvez rassurer les investisseurs sur la question de la stabilité ? Merci, Carlos. Ça me donne l'occasion de parler un peu de ce volet social et puis du volet politique. Sur le volet social, c'est vrai que nous avons un taux de chômage qui est assez bas. Je crois que nous le devons au dynamisme des jeunes Togolais, surtout des femmes togolaises qui s'investissent beaucoup. Et ce taux de chômage cache peut-être une réalité qui est un peu la précarité. Parce que la plupart de ces personnes travaillent, mais elles sont parfois confrontées au phénomène de la pauvreté. Donc ce que le PND va apporter, c'est justement de réduire cette précarité-là en leur permettant d'avoir des revenus supérieurs, puisque nous allons moderniser l'agriculture, mais également en leur permettant de sortir de l'informel, en mettant des outils comme la micro-assurance, parce que parfois ce sont de petits problèmes de santé qu'ils ont. Donc quand il y a la micro-assurance, ça leur permet aussi de régler ces problèmes de maladie. Donc sortir le taux de chômage est bas, mais également réduire le niveau du sous-emploi par des revenus supérieurs et des revenus réguliers. Quant à la situation politique, bon, elle s'est tendue en 2017, mais aujourd'hui, cette phase est derrière nous et les réformes consensuelles qui avaient été acceptées par toute la classe politique ont été mises en œuvre, notamment le mode de scrutin et la limitation des mandats. Nous préparons des élections législatives à la fin du mois de juin. Je pense que si on n'a rien entendu, c'est que ça se déroule bien et que c'est calme. Et puis l'année prochaine, nous aurons des élections présidentielles. Donc je crois que, pour parler de stabilité, aujourd'hui, le système politique en place est comparable à ce que vous allez trouver dans pratiquement tous les pays de la CEDEAO. Donc c'est la limitation des mandats et les deux tours. Voilà. Et donc, une autre question qui, à mon avis, intéresse beaucoup cette audience, c'est les efforts qui ont été faits pour réformer les climats d'affaires. Oui. Puisque vous avez mentionné un certain nombre d'éléments, la fiscalité, le code de l'emploi. Il y a d'autres domaines qui sont importants en termes de régulation. Si le Togo veut vraiment devenir un hub d'affaires, qui est une des priorités du PND, du Plan National de Développement, bien sûr, il doit être perçu comme un pays qui a tous les atouts pour attraire l'investissement. Et nous nous rendons compte que vous avez été classé par la Banque mondiale dans le dernier Ease of Doing Business comme le premier pays réformateur en Afrique de l'Ouest et parmi les plus réformateurs en Afrique. Et le Millennium Challenge Account a aussi considéré que le Togo était un des meilleurs pays en termes de réformes. Donc les réformes sont en train de se produire. Mais est-ce que vous avez déjà traduit cela en termes de résultats concrets d'investissement et d'opportunités? C'est vrai que la question du climat des affaires, elle s'est imposée à nous. Comme je vous ai parlé du problème d'endettement, à partir du moment où l'État n'a plus ses capacités, il faut bien que le secteur privé, si on veut continuer à développer le pays, ait la possibilité ou les opportunités d'investir. Donc c'est ce qui a été une des principales motivations. Donc nous avons mis en place certaines structures comme une cellule climat des affaires et une delivery unit pour expédier les problèmes que les entreprises privées pouvaient rencontrer. On a également un cadre de dialogue avec le secteur privé. Et puis, c'est vrai, nous regardons beaucoup les bonnes pratiques qui se font dans les pays qui excellent dans ce domaine. Un pays comme le Rwanda, nous avons une bonne coopération avec eux en la matière. Mais je crois qu'il faut que nous allions plus loin, parce que notre ambition est grande, puisque ce sont les deux tiers du PND que nous souhaitons pouvoir faire financer par le secteur privé, offrir des opportunités. Une de ces opportunités, c'est la privatisation de la compagnie de télécom, et d'autres aussi privatisations vont suivre.
parce que le poids de l'économie, compte tenu de la longue, le poids de l'État dans l'économie est beaucoup trop important. Il faut faire de la place au secteur privé. Donc, très bientôt, en plus de cette amélioration de la business environment, je pense qu'il y aura des opportunités d'affaires dans l'industrie, dans l'agriculture et dans d'autres domaines d'infrastructure. Je ne peux pas le révéler encore ici, mais très prochainement, je pense que vous entendrez parler du Togo sur le fond des privatisations. Voilà. Président, vous avez mentionné deux fois le CEO de EcoBank, Ade Ayayemi. Donc, je voulais l'inviter. I wanted to invite you to come here as a witness, because you are based in Lomé. You are the largest multinational based in Lomé, the largest Pan-African bank in terms of coverage, geographical coverage, and also one of the largest in terms of operations. So it is very important, I think, for the audience here to have the opportunity of having your reading of why Togo, why are you there? Why is Togo an important location for businesses like yours? And why Togo maybe is positioning itself as a reformer that should be, you know, basically taken into account? Okay, thank you, Your Excellency, and all the leaders of Togo government that are here, and also all the interested parties in Africa that are here. Thank you for being here on behalf of the continent. EcoBank was formed 31 years ago. And we've been in Togo for the last 31 years. I joined EcoBank close to 4 years ago. So what I'm going to tell you is just 31 years of EcoBank and nearly 4 years of myself. Observation about Togo and why it is. Because I asked myself the question when I was offered the role. I've never been to Togo in my life. I don't speak French. And therefore, I cannot live in Togo. But I've been convinced for the last 4 years. One, for ECOWAS to be formed, ECOWAS was formed. It was a decision led between Togo and another country. Now, you always think that when a country is physically, geographically small, they tend to want to protect itself and don't want to integrate with others. So the outward looking of Togo in the formation of ECOWAS ensures that you have a market that is very large, close to 400 million people, and people remember that history. The second is, I used to work for a bank, and I see all the letters of credit. It says, ex Lomé. And then I ask myself, so why ex Lomé? And the reason why it's ex Lomé is because the port in Lomé is very good, is very efficient. And that port, therefore, serves all the countries in the neighborhood. And they say, okay, that's very good, but what about living conditions there? I bear testimony, I live there with my family, and I've never been to Togo until August 2015. I've always been that Nigerian that flies over the West Africa. So I tell you that it's a country that is welcoming, it's a country that is in the heart of ECOWAS, close to 400 million people. So you are making that decision on should we invest in Togo? Don't look at Togo statistics in terms of population. That population is a proxy for demand. That demand is 400 million people across West Africa. I sit in my office every day. I see trucks moving. I see things being done at the port. And I see ships that are parked that are going to discharge in the port of Togo. But those ships, those trucks, they are moving to the interland because Togo is well connected to the rest of the countries in the continent. And therefore, the next set of questions is, so we've got a port, we've got a good airport, we've got logistics,
But we need to make sure that a lot of this now starts staying within the country. How do we make sure we invest in processing for those agricultural output so that it can then go out and go to the rest of the world? How do we make sure those expatriates that are here, they are able to buy things in Togo rather than going to Dubai? By the way, most of the people that buy things in Dubai, they are from Nigeria. And I've told you that Nigerians, Togo is home for them because that's where I live and I feel at home. Therefore, your investment conversation and decision, the country is open, the country is supportive of investment. Ecobank has been here for 31 years. And we are happy with the support of the state of Togo. Now, I feel very safe. My family feel very safe. And I drive around the country. Therefore, whoever comes to the country should feel very safe. Yes, I'm from Lagos. You say it takes little to make a Lagosian feel safer than Lagos, right? but quite honestly, I used to live in Johannesburg, so I feel relatively safer in Togo. And the support of the government, the access to the government leadership. The access to the president is good, but the access to the leadership, the willingness to listen, the willingness to convert, and make sure that we do everything in the best interest of the country is what has sustained us in Togo to be headquartered in Togo and be able to run 40 countries across Africa. Well, thank you very much for this very interesting insight coming from someone that has direct experience dealing with Togo. Tomorrow there will be a Togo Investment Summit for those who are interested in going deeper in the knowledge of the opportunities in this country. I want to thank the President for this moment. It was very informative, and I'm sure people really enjoyed your presentation. Thank you very much. Thanks a lot.